Notamment grâce à Énergie. Voilà, donc n'hésitez surtout pas à lever les bras, à faire signe, à crier pour les vidéos et puis à être encore plus nombreux à nous retrouver. Je vois qu'il y a encore des gens qui viennent un petit peu partout ici nous rejoindre. Donc continuez, je pense qu'on va s'amuser encore pendant une bonne heure ici. Delphine, tout se passe bien, on continue? Il y a des très très beaux déguisements, je ne reconnais pas tout le monde. C'est normal, ils sont déguisés. Allez, on y va, c'est parti.
peut les applaudir. Bon, on va faire un truc parce que là c'est pas possible, j'ai l'impression de parler. Je pense qu'on va essayer peut-être de les ouvrir, tout au moins comme le vent n'est pas dans le. Ouais, mais le photocopie. Dans les enceintes. Photocopie. Vous avez vu comment on habille une enceinte ? C'est incroyable, hein. Cédric, tu fais comme ça pour tout ? Cédric là, de la ville de Saint-Omer qui m'a dit il y a quelques minutes qu'en plus on allait avoir des cadeaux. Cédric, tu me confirmes dans quelques instants. Je vous rappelle quand même que le plus gros cadeau gagné cet après-midi, ce sera un séjour aux USA, à New York plus exactement, ou alors un bon d'achat d'une valeur de 1 250 € à valoir par le biais notamment d'Aquatour et bien sûr offert par la ville de Saint-Omer. Donc si vous avez envie, pourquoi pas. Presque parfait avec le beau temps.
Ouais, malgré le temps, malgré le temps, plus qu'un certain quand même cet après-midi, vous êtes plus de 250 Père Noël, je crois. On n'est même pas loin du record de l'année dernière. Oui, on va avoir encore plus de monde tout à l'heure. Il faut attendre l'éclaircie qui va arriver vers 16h, 17h, c'est bon. Voilà, c'est ce qu'on vous avait dit tout à l'heure, donc n'hésitez pas, venez nous retrouver. On est là pour s'amuser, et puis surtout, cette idée complètement farfelue qui vous est venue il y a 3 ans de cela, après un voyage aux USA, on le disait tout à l'heure, vous aviez envie de relever le défi, et bien le défi est relevé depuis 3 ans. Oui, bien sûr, et puis c'est un moment de fête, et puis c'est un moment de bonheur, et puis il faut en profiter, même si on n'est pas sûr d'avoir du beau temps chaque année, mais c'est un bon moment à vivre ensemble, et puis prendre du plaisir. Ouais, et puis c'est surtout, les Audemarois n'ont pas peur de braver les intempéries, ils nous le prouvent, et vous nous le prouvez encore cet après-midi. Merci d'être aussi nombreux. Delphine, c'est bon pour la suite, on y va ? Allez, c'est parti ! C'est parti.